Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où donc nous allons réaliser une carte de Noël. Pour ce faire, donc je vais utiliser les deux sets de tampons dont je n'ai pas le nom malheureusement parce que je les ai achetés d'occasion. Ils sont arrivés dans un film transparent. Donc je vais prendre une base de carte bleue dont les mesures sont 22 cm par 15 et donc je l'ai plié donc au milieu, donc 15 par 11. La petite feuille blanche donc qui nous servira de base en fait hein, pour tamponner, donc celle-ci elle fait 10 cm par 10,2. Voilà. Donc je vais couper les c'est fait d'ailleurs, j'ai coupé les bords de la carte et du fond de carte. Je les ai arrondis parce que je trouve que ça sort un petit peu de l'ordinaire, je trouve ça sympa comme rendu. Voilà. Donc ça y est, on va vraiment commencer la carte. Donc je prends mon tampon, le petit bonhomme de neige que je vais ancrer avec donc mon encre Stayzone. Je vérifie que tout est bien ancré correctement. Et donc je le tamponne sur du papier blanc, du papier aquarelle. Voilà. Donc on a un super rendu. Je sais pas de quelle marque est issue cette planche de tampon, mais elles sont vraiment de très bonne qualité et donc je pense que ça doit être une grande marque quand même. Voilà. Donc je m'équipe, je prends un bloc acrylique et donc mon encre Distress, donc de couleur Tumbled Glass. C'est vraiment une de mes couleurs préférées. Elle a vraiment un rendu vraiment super sympa. Donc je vais juste ombrer un tout petit peu rapidement les bords, puisque bon, mais il est censé être en neige, donc c'est un bonhomme de neige, donc du coup, évidemment, il n'y a pas vraiment de couleur. On va essayer quand même de ne pas laisser quelque chose de blanc, parce que ça fait pas très, ça fait pas très très joli. Voilà, donc voilà, je fais un tout petit peu d'ombrer, comme je vous l'ai dit, avec mon stylo, mon pinceau à réserve d'eau. Voilà, donc là, je dépasse un tout petit peu, hein, comme d'habitude. Alors je donne un petit coup avec mon doigt pour faire rentrer la couleur sur le motif de façon à ce qu'elle n'ait pas débordé aux endroits voilà, où je voulais pas que la couleur aille. Voilà, donc vraiment un rendu très très léger, vraiment faire quelque chose de très soft hein, pour ce petit bonhomme de neige. Voilà, donc normalement j'en ai fini avec la couleur bleue. Je vais passer donc toujours avec de l'encre Distress, je vais passer à la couleur Firebrick. Donc qui est un rouge bien bien sympa. Et donc pareil, donc je continue avec mon pinceau à réservoir d'eau. Donc je mets de l'eau sur cette peinture puisque sur cette encre pardon, puisque les encres Distress réagissent à l'eau. Et donc on a des rendus vraiment vraiment sympas, un petit peu équivalent à ce qu'on pourrait avoir avec des crayons aquarellables, des choses comme ça. Donc je continue ma mise en couleur en mettant un petit peu plus de rouge sur les bords pour avoir un petit jeu d'ombre. Donc là les petits bouts de bois, je vais les faire donc à l'encre Distress toujours, couleur vintage photo. Donc là, je vais reprendre ma Distress pour faire le fond de ma carte, toujours avec la couleur Tumbled Glass. Et donc, comme vous avez vu, j'utilise de la mousse Cut and Dry parce que je manquais d'applicateurs en fait de mousse, les fameux applicateurs en bois, la T-Mold. Et c'est vrai que j'ai trouvé l'astuce sur Internet d'acheter cette plaque de mousse. Et du coup, de la découper et comme ça, quand on en a vraiment besoin pour une couleur. Et bien dans ces cas-là, voilà, on n'a pas besoin de toujours acheter ces petits carrés de mousse qui coûtent quand même un petit peu cher, je trouve. Donc voilà, c'est un bon investissement. On n'en trouve pas partout, par contre. C'est bien dommage, mais bon, voilà. Donc là, j'ai terminé avec le Tumbled Glass. Et pour donner un petit peu plus de profondeur, un petit peu plus de bleu foncé, on va dire, enfin de foncé à mon bleu, j'ai utilisé l'encre Broken China.
voilà, qui est un bleu un tout petit peu plus foncé et voilà, qui donne un rendu vraiment vraiment sympa aussi. Donc là, je vais couper des petits bouts de papier. Alors, je vais les couper vraiment, enfin, je vais tracer à la main comme ça un petit trait vraiment tout simple. Ça va, pareil, je vais y coller, voilà, sur le bout de ma carte. Et je vais passer encore un tout petit peu de distress pour que ça ressorte en fait, pour avoir un petit effet de relief bien sympathique. Donc toujours en tumble glass, voilà, pour symboliser un petit peu une petite colline de neige, voilà. Donc j'utiliserai, là, on a vu rapidement de la gouache blanche, donc ça ce sera pour faire comme s'il y avait de la neige qui tombait. J'ai trouvé cette astuce pareil sur internet et je trouve que le rendu est sympa plutôt que de faire ça avec un stylo blanc où le rendu est moins aléatoire et fait moins naturel, quoi, on va dire. Je vais par la suite découper le bonhomme de neige et les sapins. Là, donc, j'ai découpé, j'ai ancré d'abord à la Distress Vintage Photo, donc un tout petit bout de papier, et donc que j'ai découpé pour faire les troncs des arbres, en fait. Voilà. Là, je suis en train de tamponner mon sentiment, joyeux Noël. Voilà, tout simplement. Donc là, oui, je vais vous montrer d'un peu plus près ce que ça donne. Vraiment, j'ai tamponné avec ma distress, j'ai enlevé l'excès d'encre, si on veut, avec de l'essuie-tout, et du coup, ça donne vraiment un rendu bois. Mais vraiment, c'était très très joli, j'ai été surprise. Donc là, je vais coller tout simplement avec un bâton de colle mes petits sapins, et j'ai relevé les bords pour leur donner un petit peu de relief. C'est tout simple à faire et puis ça jette du jus quand même, hein. C'est sympa comme effet. Mon petit bonhomme de neige, donc je vais le coller sur de la mousse adhésive, donc de la mousse relief, pour bien le faire ressortir. Voilà, et ça c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, donc avec de la gouache, un petit peu d'eau et je trempe en fait un pinceau dedans, dans mon mélange d'eau et de gouache. Et donc tout doucement je tapote et ça me donne des petites gouttes comme ceci. Alors un conseil, mettez un tout petit peu plus de gouache que d'eau, parce que sinon ce sera surtout de l'eau qui tombera sur votre carte. Ça va réagir quand même avec la distress bleue, mais ça fera pas vraiment le blanc de la neige, si vous voulez. Voilà, donc avec des stickles de Rangers, je vais faire améliorer un petit peu le bonnet du bonhomme de neige, voilà. Donc ça, ce sont des stylos gel que j'ai achetés il y a très longtemps et dont je m'étais jamais vraiment servie. C'est de la marque Sakura. Et en fait, je me suis aperçue, donc celui-ci c'est le transparent, je me suis aperçue que vraiment ça donne un effet super joli, comme si on avait passé du glossy accent en fait dessus. Et la pointe étant très fine, et ben on peut vraiment faire des choses très très précises. Voilà. Donc là, on se rapproche de la fin de la carte. Je vais pouvoir la monter avec de la mousse adhésif en relief. Je vais la monter sur mon fond de carte bleue. Donc je fais très attention parce que j'ai pas eu le temps de laisser tout sécher. Je voulais finir ma vidéo. Donc je vais monter la carte alors que les paillettes sont pas sèches. Le stylo gel non plus, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Et donc je vous montre un tout petit peu ce que ça a donné. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt.